Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la structure littéraire du livre de l'Apocalypse et en quoi ce livre est essentiel pour comprendre ce que Jésus fait pour toi chaque jour au ciel, la révélation de Jésus-Christ. Salut, moi c'est Jean-Jacques. Bienvenue sur Adventiste FFN, la chaîne qui t'aide à te connecter à Jésus-Christ. Si c'est la première fois que tu nous regardes, n'oublie pas de cliquer sur le bouton pour t'abonner afin de ne rater aucune de nos vidéos. Tu peux trouver des informations supplémentaires dans la description ci-dessous. C'est parti! Des millions de Français regardent le journal télévisé chaque jour. Moi aussi, je regarde le journal presque tous les jours pour me tenir informé de l'actualité. En une seule demi-heure de journal, il nous est proposé des dizaines de reportages qui nous emmènent au Parlement, dans une salle de concert, dans la rue, à la campagne ou sur un terrain de football. Des personnages politiques, des scientifiques ou des personnes jusque-là anonymes prennent la parole en France ou à l'international. Souvent, il n'y a même pas de lien entre ces différents sujets. Et pourtant, chacun peut suivre le journal sans confusion grâce à un élément essentiel: les présentateurs. Si tous les sujets nous étaient soumis pêle-mêle et sans introduction, nous aurions de la difficulté à suivre tous ces reportages. Et nous risquerions même de mélanger et de mal comprendre les sujets traités. Mais tous ces reportages qui nous sont proposés ne nous paraissent pas confus parce qu'ils sont introduits par un journaliste. Celui-ci introduit les reportages et permet de marquer le passage d'un sujet à un autre, évitant ainsi toute confusion dans l'esprit du téléspectateur. Le journaliste représente donc une rupture dans le flot des images. Il les organise et il doit être facilement identifiable. Le livre de l'Apocalypse ressemble à nos journaux télévisés. Lorsqu'on aborde pour la première fois ce livre, on est surpris par ces séries de visions, d'images, de symboles qui semblent se succéder sans ordre apparent. Cet enchevêtrement de chants, de prières, de descriptions si étranges, voire effrayantes, nous déconcerte. Les symboles foisonnent et, à l'évidence, une lecture linéaire telle que nous la pratiquons de nos jours ne suffit pas. Mais il n'est pas toujours facile de voir où commencent ces visions ni où elles s'arrêtent, et encore moins le lien qu'il y a entre toutes ces scènes. Ces visions qui se succèdent s'apparentent pourtant à nos journaux télévisés avec leurs séries de reportages. Elles ne seront pas confuses si les scènes qui les introduisent sont correctement identifiées. Ces scènes d'introduction permettent de délimiter les visions, de les introduire, de marquer le passage de l'une à l'autre et de créer ainsi un fil conducteur facilitant la compréhension. De même que le plateau télévisé est identifiable par son environnement, par la présence de journalistes, les scènes d'introduction de l'Apocalypse se caractérise par un cadre qui reste toujours le même et des personnages qui reviennent à chaque fois. À part la première et la dernière section qui ont pour scène d'introduction la terre comme cadre, toutes les autres scènes introduisant des sections ont pour cadre le temple de Dieu dans le ciel. L'environnement est le même. Le contexte culturel est marqué par la présence d'objets du sanctuaire ou du temple, si vous préférez. Le chandelier, l'autel des parfums, l'Arche de l'Alliance. La table autour de laquelle se tiennent les journalistes et les invités trouve son parallèle dans un élément omniprésent dans les scènes ayant lieu au ciel: le trône. Il tient une place centrale dans toutes les scènes d'introduction. Le cadre du trône est donc aussi celui du temple. Sur le trône, dans le trône, autour du trône, il y a Dieu, Jésus, quatre êtres vivants, 24 anciens et des millions d'anges. Tout comme les journalistes, invités, caméramans et preneurs de son que l'on trouve sur un plateau télévisé.
ils sont souvent impliqués dans une adoration exprimée par des cantiques. Et c'est souvent à partir d'une question que les visions interviennent comme des réponses. Il ressort donc des scènes d'introduction que leur caractéristique est de présenter une action divine en faveur des enfants de Dieu. Il y a un va-et-vient permanent entre le ciel et la terre. Jean est dans le temple, puis il voit quelque chose qui se passe sur terre. Il se trouve à nouveau dans le temple au ciel, puis il est à nouveau propulsé dans une vision sur terre, et ainsi de suite. En s'appuyant sur ces scènes d'introduction, la structure du livre devient plus claire. On distingue une première vision qui parle de sept églises. La deuxième parle de sept sceaux. La troisième de sept trompettes. La quatrième vision parle de trois monstres. La cinquième de trois messages. Et la sixième de sept coupes. La septième parle du jugement. Et finalement, la huitième et dernière vision parle de la Nouvelle Jérusalem. Les quatre premières sections sont en parallèle avec les quatre dernières. Et ces huit grandes sections constituent donc une structure qu'on appelle une structure chiasmatique. On peut lire ce livre en comparant les visions de la première section à celles de la deuxième. Tout comme un texte qui présente un parallélisme, le deuxième élément éclaire la compréhension du premier en se tenant dans un rapport parfois d'opposition ou de synonymie ou encore de complémentarité. La première vision nous parle de l'Église dans l'histoire, l'Église militante. Elle est en parallèle avec la dernière qui nous parle de l'Église triomphante. La deuxième vision nous parle de puissance, seulement la détresse, la terreur, tandis que l'avant-dernière vision qui lui est parallèle parle du jugement de ces mêmes puissances. La troisième section fait référence à des désastres touchant la terre, la mer, les sources d'eau, le ciel et les hommes. La sixième section qui lui est parallèle mentionne les mêmes éléments, mais la destruction cette fois-ci est totale. La quatrième vision nous parle de trois monstres, tandis que la cinquième vision qui lui est parallèle proclame trois messages pour nous mettre en garde contre la séduction de ces monstres. Les quatre premières sections se situent dans l'histoire. Depuis le début du christianisme jusqu'au second retour de Jésus. Les quatre dernières sections, elles se situent à la fin de l'histoire de ce monde. C'est la série eschatologique. Ces huit grandes sections sont toutes introduites par des scènes révélant ce que Jésus fait pour nous. La première et la dernière se passent sur terre, alors que toutes les autres ont pour cadre le temple de Dieu dans le ciel. Il y a donc un mouvement de la terre au ciel, puis sur la nouvelle terre. La plupart des nombreux livres sur l'Apocalypse tentent de comprendre les visions liées à la fin du monde. Toutefois, les premiers mots du livre nous expliquent l'intention de l'auteur. C'est la révélation de Jésus-Christ. J'ai donc choisi de me focaliser essentiellement sur les visions qui nous parlent de l'action du Christ dans le ciel en notre faveur. En effet, depuis sa mort et sa résurrection, puis son élévation au ciel, Jésus n'est pas resté inactif. Il continue ardemment son œuvre pour que tu sois sauvé. Je te propose donc d'étudier les scènes d'introduction des visions de l'Apocalypse pour comprendre ce que Jésus fait pour toi dans le ciel, pendant que tu mènes parfois avec difficulté ta vie sur cette terre. L'Épître aux Hébreux nous parle d'un sanctuaire céleste. Nous aurons l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Mais on peut déjà comprendre que c'est dans le contexte du temple céleste, dans le ciel, que Dieu agit pour toi et pour moi. Le psaume 20 nous dit « L'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Du sanctuaire, il t'envoie du secours. » C'est donc à partir du sanctuaire céleste que Dieu nous envoie le secours. Je t'invite à suivre Jésus dans ce sanctuaire céleste à travers les visions de l'Apocalypse. En effet, c'est le sujet principal de ce livre dont le nom veut dire « révélation ». Il vient d'un verbe qui veut dire « dévoiler », « découvrir quelque chose ». De nos jours,
Le mot apocalypse fait référence à quelque chose de terrifiant, lié à la fin des temps. Il résonne comme une catastrophe. Le livre, qui semble être le plus mystérieux de tous, se présente de manière paradoxale comme étant une révélation. Il y est question de la révélation de Jésus-Christ. Cette révélation de Jésus-Christ s'entend de deux manières, celle qui vient de Jésus-Christ ou celle qui nous parle de Jésus-Christ. Ces deux lectures se complètent, puisque Jean a dit l'avoir reçu de Jésus-Christ via son ange. Mais d'un autre côté, l'Apocalypse illumine de nombreux aspects de la personne du Christ. Plusieurs dizaines de noms différents sont utilisés pour le désigner dans ce livre. Ainsi, les attributs de Jésus, sa personne, son ministère en faveur des hommes et ses projets de restauration de l'humanité sont éclairés d'un jour nouveau. Cette découverte de Jésus se fait beaucoup au travers des différents noms utilisés pour le désigner. Dans l'Antiquité, le nom était compris comme un révélateur de la personnalité. Les caractéristiques, les destins de la personne nommée étaient ainsi dévoilés à travers les noms. Dans nos vidéos, nous partirons à la rencontre des dizaines de noms désignant Jésus. Ces noms utilisés pour nous introduire auprès de Jésus-Christ nous parlent de son éternité. Il est dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ces noms nous parlent aussi de sa royauté, puisqu'on l'appelle le prince des rois de la terre, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ils nous disent également quelque chose sur ses qualités. Il est saint, fidèle, véritable. L'Apocalypse utilise aussi plusieurs images pour nous parler de Jésus. Il est l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin et même l'époux. Des phrases toutes entières servent à le désigner. Celui qui nous aime, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre, celui qui ferme. Il est également le Fils de l'homme, vainqueur de la mort, le grand prêtre qui intercède, l'ange puissant, maître du temps, Michaël, le combattant. Tous ces noms ne suffisent pas à faire le tour de sa personne, parce qu'il a même un nom nouveau, tout comme les élus, indiquant par là l'évolution de son ministère et de son action envers l'humanité. Il veut nous faire entrer dans une nouvelle destinée. Mais il reste Dieu. Et à ce titre, on ne pourra jamais tout connaître de Jésus. C'est pour cela que l'Apocalypse nous dit qu'il a un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Tous ces noms nous invitent à découvrir la personne du Christ. En appliquant ceci à Jésus, Jean t'invite à contempler les différents aspects de sa personne et de son ministère en ta faveur. La plupart des scènes ayant pour cadre le ciel, je t'invite à un voyage interstellaire dans les prochaines vidéos pour entrer dans l'intimité de l'action de Jésus qui ne s'est pas arrêté à la croix comme je l'ai dit, mais qui poursuit son œuvre pour toi à chaque instant. Cette révélation de Jésus-Christ que je t'invite à découvrir est assorti d'une bénédiction. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. C'est l'image du maître qui lit et prodigue un enseignement à ses disciples assis autour de lui. Il y a un lecteur et plusieurs qui écoutent. Mais tous ceux qui gardent ce qui y est écrit reçoivent cette bénédiction. Celle-ci ne manquera pas de se réaliser pour toi si tu m'accompagnes tout au long de cette étude sur l'Apocalypse. À bientôt dans une prochaine vidéo. Jésus est en train d'agir pour toi en ce moment. Et si ton cœur est touché et que tu veux qu'il fasse la même chose dans le cœur de ceux qui t'entourent, alors partage cette vidéo avec quelqu'un qui compte pour toi. Lorsque vient le conflit, tu me donnes ta paix. Même à mille contraintes.
time.